وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله mes frères et mes sœurs Allah تبارك وتعالى nous a établi et nous a instauré les deux fêtes, la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice, pour remplacer toutes les fêtes de l'époque de l'ignorance et toutes les fêtes qui sont autres que les fêtes islamiques. D'ailleurs, Anas radiallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et ils avaient deux jours qu'ils fêtaient. Il a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, que sont ces deux jours? Ils ont dit, ce sont deux jours dans lesquels nous jouons et que nous fêtions dans l'époque anti-islamique. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah vous a échangé ces deux jours par deux jours qui sont meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, et c'est un hadith sahih. Donc dans ce premier hadith, nous comprenons que le musulman n'a que deux fêtes dans l'année. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Aucune autre fête n'est fêtée par le musulman. Surtout pas les fêtes liées à de fausses croyances ou à d'autres religions. Car être d'accord avec ces fêtes-là, ça peut vouloir dire des fois être d'accord avec de la mécréance. Comme quand ils fêtent certaines fêtes où ils ont des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur ses prophètes, alayhim salat wa salam. Les fêtes où il y a des croyances erronées sont plus graves. Et les fêtes où il n'y a pas de croyances erronées sont quand même interdites en islam. De même, le musulman ne fête la naissance ou la mort de personne, ni de ses enfants, ni de ses parents, ni de qui que ce soit, même pas du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient ses compagnons, puis ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, puis ceux qui les ont suivis parmi les quatre imams des quatre écoles sunnites, et les grands imams parmi les grands savants de l'islam. Pendant des siècles, pendant les premiers siècles, personne n'a jamais fêté la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'une secte chiite qui était établie en Égypte a commencé à fêter cette fête pour ressembler aux chrétiens. Et de là, c'est resté comme une mauvaise habitude dans les pays musulmans. Pourquoi le musulman fête cette fête-là? Car il est content d'avoir fini un mois où il a obéi à son Seigneur. Il est heureux d'espérer la miséricorde d'Allah, qu'Allah lui a pardonné et qu'il fasse partie des gens qu'Allah a affranchis de l'enfer pendant ce mois-ci. La prière de l'Eid, quel est son statut religieux? Chez la majorité des savants, c'est une recommandation. Mais la parole la plus juste à ce sujet, c'est que c'est une obligation. Et cette obligation, elle ne concerne pas seulement les hommes, mais elle concerne aussi les femmes. Même les femmes qui ont leur menstrue, c'est obligatoire qu'elles participent à la prière de l'Eid. Quelle est la preuve de cela? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, les femmes ont dit, « Umirna », on nous a ordonné, les femmes qui ont leur menstrue, d'assister à la prière de l'Eid avec les croyants, pour assister à leurs invocations et pour assister à leur rassemblement. Et on a ordonné aux femmes qui avaient leurs règles de s'éloigner du lieu de prière, de rester loin des gens qui prient, mais elles participaient. Donc le jour de l'Eid, tout le monde doit participer à la salat de l'Eid, comme on l'a vu dans le hadith, que même les femmes qui ont leurs règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de participer à cette salat, alors qu'il ne leur a pas ordonné de participer à la prière de Jumu'ah,
qui n'est pas une obligation pour les femmes, mais seulement pour les hommes. Min adab al-Eid, parmi les politesses, c'est de faire le ghusl, comme il a été rapporté de Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il faisait les grandes ablutions pour aller à la prière de l'Eid. De même, de mettre les meilleurs vêtements, comme Ibn Hajar le rapporte aussi de Ibn Omar, radiallahu anhuma. De même, avant de sortir, c'est une sunna avant de sortir à la prière de l'Eid al-Fitr, la prière de la rupture, c'est une sunna de manger quelques dattes avant de sortir pour bien démontrer que ça y est, c'est un jour de fête, c'est un jour où on ne jeûne pas. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de l'Eid, c'est haram. C'est-à-dire celui qui jeûne le jour de l'Eid doit être, il fait des péchés. Là, il y a 12. Là. De même que la prière de l'Eid, Eid al-Fitr, on peut la faire à partir du moment où le soleil s'est levé d'une lance. Mais le mieux, c'est d'attendre qu'il se lève un peu plus. Pourquoi ? Que les gens aient le temps de sortir Zakat al-Fitr, comme on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la sort avant salat, c'est une zakat maqboula, et celui qui la sort après salat, c'est une sadaqa mina sadaqat, c'est une aumône. Mais elle lui restera une dette, il devra la sortir obligatoirement, même après salat. Sauf que il n'aura pas obéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir zakat al-fitr avant la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé un petit peu la prière, c'est-à-dire par exemple, si on attend 20 minutes après le shurur, ou 30 minutes, Yom al-Adha, le jour de l'Aïd al-Fitr, on va attendre peut-être 45 minutes, 1 heure, le temps que les gens arrivent et aient le temps de sortir Zakat al-Fitr et de faire la prière. On va attendre une quarantaine de minutes, 45 minutes après, c'est-à-dire le temps de deux lances, plutôt que le temps d'une lance dans l'horizon. C'est-à-dire le temps que le soleil soit à la hauteur d'une lance, ça c'est le début où on peut prier. Ça c'est l'heure de l'Aïd al-Adha. Et là, on va attendre encore le temps de cette hauteur-là à peu près, c'est-à-dire une quarantaine de minutes à peu près. Non. Donc, c'est une sunna de faire le takbir, de dire Allahu Akbar, d'évoquer le nom d'Allah. On va voir quelle est la sigha, la manière d'évoquer le nom d'Allah. Le jour de l'Eid, à partir du moment où on sort de chez nous jusqu'à qu'on arrive au lieu de prière. D'ailleurs, la sunna, c'est de faire salat l'Eid en dehors des mosquées, dans des musalla. Vous regardez dans les pays musulmans, il y a Musalla al-Eid, un endroit spécifique pour les prières de l'Eid. De même, Sira, parmi les manières qui sont rapportées de faire le takbir, ce n'est pas les manières qu'on entend dans certaines mosquées habituellement où ils chantonnent des chants soufis en groupe. Subhanallah, walhamdulillah. Ça vient des soufis de chanter en groupe, de crier comme ça. Ce n'est pas min adati Ahl al-Sunnah. Ahl al-Sunnah, ils crient. Ils élèvent la voix, mais ils ne chantent pas ensemble. Ce n'est pas un jour où on chante. Hein? Chacun fait le takbir. Si nos voix elles se sont réunies sans faire exprès, alhamdulillah, si elles ne sont pas réunies, elles ne sont pas réunies. Mais ce n'est pas un cours de chorale. Quelqu'un est dit au micro, tout le monde répète derrière et on fait la chorale et tout le monde chante. Non. On fait le takbir. Et la manière de faire aussi, ce n'est pas la manière qu'on entend. C'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulillahi alhamd. Ça, c'est une des manières sahiha qui a été rapportée des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Mas'ud. De même, il y a un autre hadith, une autre version qui est rapportée des sahaba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira. Donc, voilà ce qui a été rapporté en ce qui concerne le takbir. On doit devancer cela et délaisser tout le reste, bi'idnillah et tabarak wa ta'ala. Kadalika, c'est une sunna de sortir à pied pour aller à salat al-Eid. Et de passer par un chemin pour y aller et passer par un autre chemin pour le retour. Comme il a dit Ibn Omar, c'est une sunna. Si on peut venir à pied, repartir à pied. Donc là, alhamdulillah, si on est à la salle des fêtes, on vient à pied. Chacun sait bien de prendre sa petite sajada. Ça, c'est pas dans la sunna, mais ça, c'est dans la pratique, nous ici. Hein? Et de venir à pied et de repartir à pied. Fihi idhar li sha'air ad-din. Il y a un honneur pour nous les musulmans de montrer nos pratiques. Et c'est une da'wa, c'est une prêche à l'islam, de voir tous les musulmans se dirigeant ensemble
pour adorer leur Seigneur et pour remercier leur Seigneur de ce bienfait et de ce jour de fête. Donc il ne faut pas hésiter, alhamdoulilah, à venir à pied le jour de l'Eid, mettre ses plus beaux vêtements, mashallah, pas pour la femme, pour l'homme. La femme, elle met ses plus beaux vêtements à la maison avec le mahari. Avec le mahari. Et encore, c'est pas tous les mahari. Certains maharim, la femme, elle n'a pas le droit de trop s'embellir devant eux. Parce que, par exemple, les oncles, etc., elle ne va pas s'habiller comme devant son mari. Devant le mari, la femme s'habille d'une manière. Devant les frères, les pères, les oncles, elle s'habille encore d'une autre manière. Elle peut montrer les avant-bras, le cou, les cheveux, les, par exemple, le nesfesak, la moitié des mollets, devant la famille. Mais elle ne met pas, par exemple, des robes moulantes devant ses pères, frères et ses oncles. Ou de ce genre d'habillement. Même devant ses sœurs, même devant sa mère. Aujourd'hui, certaines sœurs, elles croient qu'elles sont entre sœurs, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Il n'y a pas de limite. Là, même entre sœurs, il y a certaines choses à cacher. Il y a de la pudeur. La seule personne devant qui la femme peut s'habiller comme elle veut, c'est son mari. C'est tout. Là. كذلك le jour de l'Aïd, on vient à la Moussan al-Aïd et on fait salat bidouni adhan ou la iqam. Il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas d'iqama, il n'y a pas de tahiyyat al-masjid, sauf si on fait à la mosquée. Si salat al-Aïd on fait dans une mosquée, là on fait tahiyyat al-masjid. Mais dans Moussan al-Aïd, il n'y a pas de rak'at à faire, il n'y a rien à faire. On vient, on s'assoit et on attend. L'imam, que l'imam sort pour faire salat. Si le jour de l'Eid, ça c'est important d'en parler, si le jour de l'Eid il tombe en même temps que la prière du vendredi, et là c'est possible, car le jour de l'Eid ou bien ça va être jeudi ou vendredi. Donc si la prière de l'Eid tombe en même temps que le jour du vendredi, celui parmi les hommes qui a fait la prière de l'Eid, il n'est pas obligé de faire la prière du vendredi. Il n'est pas obligé de la faire, mais la mosquée, ou les gens de la mosquée, ou l'imam, doivent quand même faire le Jumu'ah pour ceux qui ont raté la prière de l'Eid, ou pour les autres qui veulent assister. S'ils ont envie, c'est une bonne chose. Mais ce n'est plus obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ibn Abbas, en parlant quand l'Eid est tombé un jour de vendredi, il a dit, se sont réunis aujourd'hui deux jours de fête. Celui qui a prié l'Eid, s'il veut, ça lui suffira pour le vendredi. Il a dit, mais nous on va faire la prière de Jumu'ah, Inch'Allah. Il a le mieux. Celui qui peut, il le fait, mais ça ne devient plus obligatoire. De même qu'il n'y a pas de mal à se souhaiter bonne fête le jour de l'Eid, comme il a été rapporté par Ibn Turkmani, que Mohamed ibn Ziyad a dit, j'étais avec Abi Umama quand on est revenu de la prière de l'Eid et les uns d'entre nous disaient aux autres, Taqabbalallahu minna wa mink, qu'Allah accepte de nous et de vous. Donc c'est la pratique des pieux prédécesseurs de se souhaiter une bonne fête ou de dire qu'Allah accepte de nous et de vous. Il n'y a pas de mal à le faire bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Non. Dernier point, zakat al-fitr. La zakat de la rupture, le monde de la rupture, beaucoup de gens croient que la zakat dans les billets d'islam, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre zakat à sortir. Non. Zakat al-fitr, tout le monde la sort. Tout ce qui possède de quoi manger chez lui un jour, il devra sortir zakat al-fitr pour lui et sa famille. À la différence de zakat al-mal, zakat urud al-tijara, tout ça, il y a des conditions pour sortir la zakat. La zakat dans l'argent, la zakat dans les bestiaux, la zakat dans les récoltes, la zakat pour les commerçants. Ça, chacun a ses règles. Et c'est obligatoire. Ça fait partie des piliers de l'islam. Donc beaucoup de gens, par ignorance, croient zakat al-fitr, c'est la seule zakat à payer. Il réunit de l'argent, mashallah, toute l'année, il ne sort pas zakat al-mal. Il a un commerce, il ne sort pas la zakat du commerce.
Donc il faut se renseigner, barakallahu fikoum. Ceux qui gardent un petit peu d'argent de côté, ils auront obligatoirement au bout d'un moment une zakat à sortir, annuellement. Donc il faut se renseigner, barakallahu fikoum, sur Amr al-Zakat. En ce qui concerne Zakat al-Fitr, elle a été instaurée pour deux raisons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Expier les manquements qu'on a pu avoir dans le jeûne de Ramadan. Tous les manquements qu'on a pu avoir avec Zakat al-Fitr, Inch'Allah, ça les expie, bi'idnillah, tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième raison, c'est pour que les pauvres et les nécessiteux puissent participer à la fête avec nous. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'elle arrive dans la main du pauvre avant la prière de l'Aïd. Pourquoi je dis ça? Si tu la donnes directement, tu la sortiras un à deux jours maximum avant l'Aïd. Si par contre, tu vois qu'il le charsin, si tu as donné la responsabilité à quelqu'un de la donner pour toi, il faut lui donner plus tôt pour que lui, il puisse la donner un jour ou un peu avant l'Aïd. Si toi tu lui donnes, par exemple à la personne que tu as à qui tu as donné la responsabilité de donner aux pauvres, tu lui donnes le jour de l'Aïd avant Salat al-Aïd. Il va la donner quand aux pauvres lui? Par exemple, comme elles font toutes les mosquées. Ils font les boîtes le jour de l'Aïd. Les gens ils mettent de l'argent dedans. Tayyib. Cette zakat al-fitr, elle a été donnée aux pauvres avant la prière de l'Aïd ou après? Après. Est-ce qu'on a réussi à pratiquer ce pourquoi Zakat al-Fitr a été instaurée? Même pas. Donc normalement, on devrait donner la Zakat al-Fitr à... S'il y a un intermédiaire entre nous et le pauvre, on a le droit de le donner à l'intermédiaire avant les deux jours ou trois jours. Si cet intermédiaire, il a besoin de temps pour pouvoir le donner. Par exemple, si quelqu'un, il donne Zakat al-Fitr à l'étranger, normalement ce n'est pas la règle. Il devra le donner assez tôt pour qu'elle arrive dans la main du pauvre avant Salat al-Aïd. Mais la base, c'est de le sortir dans le pays dans lequel tu es pendant l'Aïd. Si tu fais l'Aïd dans un pays, même si ce n'est pas ton pays d'origine, tu sors Zakat al-Fitr dans l'endroit où tu es. Tu sors Zakat al-Fitr dans l'endroit où tu fais la prière de l'Aïd, c'est pas comme Zakat al-Mal. Non. Autre chose. À partir de quand Zakat al-Fitr elle est obligatoire? Par exemple, si tu as un enfant qui naît, donc avant Ramadan, il n'y a pas de problème. Si tu as un enfant qui naît après le coucher du soleil de la dernière nuit de Ramadan, est-ce que tu devras sortir Zakat al-Fitr pour lui ou non? À la khilaf, entre ceux qui disent après le coucher du soleil ou après le fajr. C'est la majorité des savants, s'il est né après le coucher du soleil, le jour de Ramadan, le dernier soir de Ramadan, alors il n'aura pas Zakat al-Fitr à sortir pour cette personne. Non. Autre chose pour Zakat al-Fitr, quelle est la quantité ou comment on doit sortir Zakat al-Fitr? Ça, on va en parler un petit peu. Plus longuement. Zakat al-Fitr, comme on l'a vu dans le hadith, il a été fait pour deux choses. Expier tes manquements dans le jeûne et pour nourrir les pauvres ce jour-là ou bien pour qu'ils participent ce jour-là à la fête avec nous. Cette zakat-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instauré, c'est un sa'a. Un sa', ça équivaut à peu près à 2,5 kg. 2,25 kg, 2,5 kg de la nourriture qui est mangée généralement dans le pays, la nourriture qui se garde. Comme par exemple, tout ce qui est le blé, le riz, les dattes, les pâtes. Donc ça, c'est la mesure qui doit être donnée. Pour qui tu donnes? Pour tous les gens qui sont sous ta responsabilité. Toi, ta femme, tes enfants, même les nouveau-nés. S'il est né avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, tu devras sortir pour lui. Beaucoup de gens croient que Zakat al-Fitr, il la sort que pour ceux qui ont jeûné. Non. Tous ceux qui sont sous ta responsabilité, tu dois sortir Zakat al-Fitr pour eux. On a dit un sa' de nourriture.
Comme il a été rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu zakat al-fitr obligatoire, un sa' min qout al-balad, de nourriture, ou un sa' de blé ou d'orge ou de dattes. Dernière chose, qu'est-ce que c'est un pot? Parce que des gens, ils croient que les pauvres, c'est ce qu'il a vu dans les films. Des gens qui se traînent par terre avec des vêtements déchirés. Non. Un pauvre, c'est celui qui ne possède pas assez d'argent pour combler les besoins, pour combler ses besoins et les besoins de sa famille sur une année. C'est ça un pauvre. Par exemple, quelqu'un qui a une femme et deux enfants, qui a un loyer très élevé. Des fois, un pauvre, ça peut être même quelqu'un qui travaille et qui touche un salaire tous les mois. Et qui n'arrive pas, avec sa paye, à payer le loyer, plus la nourriture, plus les besoins essentiels. S'habiller pour lui et sa famille, bien sûr, à juste mesure. C'est pas on a dit s'habiller avec les choses chères. À juste mesure. Il n'a pas assez pour payer ses besoins essentiels, pour s'habiller, manger, se habiter pour lui et sa famille. Si par exemple dans l'année il aurait besoin, si on fait le calcul de ce qu'il a besoin pour ses besoins essentiels, il a besoin de 12 000 euros par an, et lui il ne touche que 8 000 euros par an, c'est un pauvre. C'est un pauvre. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens, par exemple, qui ne touchent pas beaucoup d'argent, mais ils ont peu de dépenses. Leur loyer, il n'est pas cher du tout. Donc, ils ont assez d'argent pour s'en sortir. D'autres, ils ont une plus grande entrée d'argent, mais ils ont un loyer, par exemple, très très cher. Et ils n'ont pas d'aide, beaucoup d'aide de l'État. Ils ne s'en sortent pas. Dès qu'ils payent le loyer, ça, il leur reste très peu pour finir le mois. Donc, c'est à nous, barakallahu fikoum, de chercher à savoir qui sont les pauvres pour pouvoir leur donner. C'est notre devoir. On ne doit pas se débarrasser de notre zakat à n'importe qui comme ça. Mais on doit chercher à savoir qui sont les pauvres pour pouvoir donner, faire notre obligation en ce qui concerne zakat en général et zakat al-fitr en particulier. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wa qur rabbi zidni ilma.